je suis contente de vous retrouver pour une vidéo des retours de course Lidl. De toute façon, comme toutes les semaines, il me fallait encore des trucs, des styles, des basiques quoi, fromage, yaourt, jambon, enfin pour manger quoi. Donc, voilà, bon ben, on va commencer. Alors j'ai pris du papier toilette, qu'il nous fallait bien ça, parce que bon, c'est vrai qu'il est pas cher, mais par contre il est fin. Donc, puis alors nous, on en utilise une quantité de papier toilette. Donc, c'était 2,05€ les 12 rouleaux. Après, ben, j'ai pris aussi du lait, bien évidemment, pour mon petit vieux et ma fille, parce qu'alors eux, c'est des vaches à lait. Donc, ben, c'était 80 centimes la bouteille, donc 4,80€ le pack. C'est bête, c'est qu'ils ne mettent pas les prix, le prix du pack, ils mettent carrément qu'à l'unité, quoi. Après, donc, j'ai pris une pizza jambon fromage. Franchement, celle-ci, elle est super bonne. Donc, c'était la pizza 1,67€. Après, donc, j'ai pris ben, du plantafin parce que ben, ce matin, on a fini le beurre. Et comme on est trois à déjeuner avec des tartines et puis mon mari, c'est cracotte. Donc, forcément, ça part plus vite. Donc, ben, le plantafin, 1,56€. Après, ben, j'ai pris deux paquets de panini parce que celui-là, par contre, il est super bon. J'avais le choix entre nature ou complet. Et franchement, celui-là, avec ma fille, on l'adore. Et au petit déjeuner, ça passe super bien. Et ça doit être 94 centimes, si je ne me trompe pas, le paquet de panini. Voilà, c'est ça. Après, j'ai pris ben, de la crème fraîche parce que comme j'ai des escalopes, comme je vous avais dit quand j'ai fait ma recette, donc ben, j'ai pris de la crème fraîche pour faire ma recette. Ça sera filet de poulet, je crois. Je sais plus si c'est des filets de poulet ou des escalopes. J'aurai la surprise quand je vais faire dégeler la viande avec des champignons. Donc, je pense qu'on est mercredi, peut-être en fin de semaine ou ce week-end. Après, j'ai pris ben, de la confiture. Donc là, par contre, la crème fraîche, je trouve qu'elle était un peu chère. Enfin, je sais pas si c'est après le prix partout un peu. Donc, c'était... je crois que c'était dans les 1,05€. Je trouve que ça fait un peu cher, mais est-ce que c'est le prix? Je sais pas. Après, donc, j'ai pris de la confiture. Confiture 4 fruits. Celle-là, je sais qu'elle est super bonne, donc j'en ai pris. Comme je pensais avoir assez parce que je me suis trompée quand j'ai acheté les confitures à Le Père. J'avais pris à la mûre et à l'abricot. Abricot, ça va, impeccable. C'est de la confiture. Mais par contre, quand j'ai voulu, ben, avant d'entamer la confiture d'abricot, j'ai voulu entamer puis la mûre. Et ben, je me suis trompée. C'est moi, ça. Ben, au lieu de prendre que ça soit confiture, c'était marqué gelée. Et j'aime pas la texture de la gelée. Je sais pas, c'est... Ça me fait penser au truc qu'on donne là, les médicaments là pour avoir la colique. Alors ça, j'aime pas ça. Et même la texture en elle-même, j'aime pas. J'aime bien la confiture avec des morceaux de fruits dedans, c'est trop bon. Donc là, la confiture. Mais je sais que celle-ci, elle est super bonne parce que même des fois, je prends aussi à l'abricot, sauf à la framboise que j'aime pas. Par contre, c'est clair que la prochaine fois, quand je vais aller faire mes courses à Leclerc. C'est clair que je vais racheter de la confiture parce qu'elle est super bonne. Peu sucrée, enfin, impeccable. Donc, alors, la confiture 1,29€. Après, ben, j'ai pris du fromage, comme d'hab. Celui-là, ben, je prends celui-là parce qu'il est super bon. Il est crémeux et tout, impeccable. Donc, 1,56€. Après, j'ai pris ben, du gruyère parce que je voulais prendre deux boîtes de raviolis pour faire des raviolis gratinés au four. Mais à Lidl, il n'y a pas de raviolis. Donc, eh ben, j'ai le gruyère, mais pas les raviolis. Donc, j'irai voir dans la semaine ailleurs. Mais là, franchement, déjà, je n'ai pas l'habitude de faire mes courses l'après-midi. J'aime bien y aller le matin. Et là, c'est la cohue dans les magasins. Ça, c'est normal. Parce que ben, ils ont peur pour ce soir. Parce que le président, il va parler. Je sens qu'on va être confinés. Après, bon, ça... Apparemment, ils en parlent, les journalistes, comme quoi ce serait un confinement, mais moins strict que la première fois.
Alors, donc, le gruyère râpé. Alors, en plus, c'est pareil, chercher le prix sur, pour le gruyère râpé. Puis, je vois la baguette. Bon, moi, j'ai fait une, deux, hein, j'ai pris la baguette, j'ai retourné, j'ai vu le prix. Donc, c'était 1,39€. Après, ben, j'ai pris du tartare pour les enfants. Parce que, ben, y a bien des carrés mais, comme le Kiri, mais je ne prends pas parce que c'est pas la marque Kiri, donc ils vont pas en manger. Les portions comme la vache Kiri, ils aiment pas, donc c'est pas la peine. Donc ça, je sais que ça, c'est une valeur sûre. Bon, il y avait en pot ou en portion, mais je préfère leur prendre en portion. Moi, il n'y a pas de bagarre. Donc c'était 1,79€, je crois, 1,70€. Après, ben, j'ai pris du jambon, comme d'hab, avec poil. S'il n'y a pas de poil, c'est pas du jambon. Ah, il est super bon en plus. Alors, donc, le jambon, ben, je crois que c'est 1,79€ le jambon. 1,89€. Après, ben, j'ai pris mes clémentines pour moi, pour le matin, pour le soir. Je prends mes deux clémentines le soir. Sauf quand. Ah, ben, j'en ai vu. Il y en a une qui est pourrie, on dirait. Ouais, il y en a une, elle est toute raplapla, elle va aller à la poubelle, là, malheureusement. Donc, les clémentines, je crois que c'est 1,45, je crois. Je sais plus. Oui, c'est 1,49. Après, j'ai pris des gâteaux pour le goûter et pour mon fils, surtout pour le matin. Donc, là, j'ai pris des mini fourrés cœur chocolat. Il y en a 14. Alors, je crois que c'était 1,45. Non. Oui, 1,45. C'est les autres. Après, j'ai pris des tartes, ben, des cracottes pour mon chéri. Ça, c'est son kiff. Il préfère ça même. Je sais qu'il préfère ça que les biscottes. La dernière fois, il a pris des biscottes, mais je sais très bien qu'il préfère ça, ça que les biscottes. Donc, j'y ai pris. Je crois que c'était 66 centimes la boîte. Oui, 66 centimes. Après, donc, j'ai pris... Alors, j'ai pris 3 boîtes de Néo. Parce qu'il y avait le paquet rouge où il y en a 10 portions dedans. À 3,08€ ou 3,09€. Et donc là, la boîte de Néo, je crois que c'était dans les 79 centimes. Quand j'ai fait le calcul, en prenant 3 boîtes, je suis gagnante. Sachant que dans une boîte à 3,09€, il y a 10 pochons. Et là, il y en a 4. Donc 4 et 4, 8. Et là, il y en a 4 et 4, 8, 11. Donc, je suis gagnante. Oh, et même, ça me coûte encore moins cher. Donc, voilà, j'ai pris ça. Après, j'ai pris des pépites, des mini pépites chocolat. Aussi, pour le goûter ou pour le petit déjeuner, pour mon fils. Ça, c'est sûr. Alors, mini cake pépites, 1,29€. Après, ben, j'ai pris les génoises pour mon petit vieux, 99 centimes. J'ai pris des yaourts pour les enfants, 2,02€. Enfin, je connais comment ça connaître les prix. Après, j'ai pris, alors, j'ai pris une assiette toute prête, émincée de poulet, sauce curry, son riz basmati, lait de coco pour ma fille demain. Parce que comme elle a sa conduite de midi à 14h, et comme à 11h, il faut qu'elle mange, donc j'ai préféré lui prendre ça. Ça va vite et puis je sais qu'elle en plus tout ce qui est à base de curry comme moi elle aime bien, donc et puis au moins ça sera plus consistant que manger du jambon avec un morceau de pain ou du fromage. Moi elle aura quelque chose de consistant dans l'estomac. Et donc après j'ai pris ça. Alors il y a 10 roulés au fromage et je les ai pris parce que franchement c'était pas cher. Quand j'ai vu le prix j'étais choquée. Ça, c'est bien pour le soir et tout ça. Donc, les roulés de fromage. Alors. Oh. Ah, voilà. 4,25€. Et il y en a 10. Donc, j'ai dit, oh, ben, ça vaut le coup. Et puis, donc, ben, j'en ai eu pour un total de 44,30€. C'est déjà pas mal.
Après, à la sortie des courses, je suis allée chez Marie Lachère, comme le pain. Donc, 5,70 les 8 baguettes. Comme ça, j'ai du stock pour ce week-end. C'est pareil, le pain, ça part hyper vite. Et puis là, 5,70 les 8 baguettes, ça vaut le coup. Voilà, donc, pour ce, je voulais aussi vous remercier tous de vous être abonnés à ma chaîne. Et je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux qui sont arrivés. Et je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!